Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Camélia et le monde de Harry Potter. Et aujourd'hui nous allons jouer à un petit jeu auquel j'ai joué il n'y a pas si longtemps que ça avec Marine. C'est le One Minute Challenge. En gros, on va devoir deviner le plus de choses liées à Harry Potter en une seule minute. Ça va se jouer en 3 manches. Et les catégories, on va vous les révéler au fur et à mesure. Oui. Camélia, elle a trop hâte. Ouais, j'adore ce jeu. En plus, j'aime trop faire, vous savez, le jeu où on doit deviner tous les personnages d'un coup. Donc là, j'espère que je vais y arriver. Elle fait genre que son jeu préféré, c'est de deviner les personnages, mais son jeu préféré, c'est de deviner les Pokémon. Ouais, clairement. Les 151, et j'ai toujours pas réussi. On va passer à la vidéo. Et la première catégorie, c'est donc... les personnages de Gryffondor. On a le droit de dire le prénom, le nom, ou le prénom et le nom. C'est-à-dire qu'on peut dire Gilderoy, on peut dire Lockhart et on peut dire Gilderoy Lockhart. Mais c'est pas un personnage de Gryffondor. Tu veux commencer? Oui, allez, let's go. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, Harry, Ron, Hermione, Neville, Fred Weasley, George Weasley, Bill Weasley, Charlie Weasley, Molly Weasley, Arthur Weasley, le Quidditch, Olivier Dubois, Angina Johnson, Katie Bell, Alicia Spinett. Oh la vache, c'est dur. Godric Gryffondor, Minerva McGonagall. Oh la vache, je savais pas que ça allait être si stressant. Ensuite, on a les parents de Harry, James, Lily, Sirius Black, Peter Pettigrew, Lupin. Oh, je stresse, je sais pas pourquoi. Après, qui d'autre on a à Gryffondor dans les amis de Lavande Brown, Simus Finnegan, Alfred Enoch, comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié Alfred Enoch. Dean Thomas, putain. Tu devrais avoir honte. Elle devrait avoir honte d'avoir oublié. Non, pas du tout, vous verrez, c'est le stress. 3, 2, 1, go! Ok, Harry, Ron, Hermione, Neville, ça y est, je... Fred, George... Percy, Bill, Charlie, Molly, Arthur, Ginny, Seamus, Dean, Parvati, Lavande, Minerva McGonagall, James Potter, adulte, James Potter Junior, Peter Pettigrew, Sirius Black, Remus Lupin, qu'est-ce qu'on a, Albus Dumbledore. Ensuite on a qui? Ouh là là, ça commence à se compliquer. Colin Crivet, Denis Crivet. Qui est-ce qu'on a à Gryffondor? Oh, c'est dur. Qui est-ce qu'on a à Gryffondor? Je sais plus. Ah bah non, on sait pas. Lily Potter, Lily Evans évidemment. On a aussi Lily Evans, c'était qui ses photos? Oh putain, c'était dur! C'était grave dur! C'est trop dur! Oh là là! Ouf. Et voilà, la manche numéro 1 se termine. J'ai fait 26 et Camélia a fait 23. Donc je remporte cette première manche, mais rien n'est terminé. Parce que maintenant on va passer aux acteurs d'Harry Potter. Donc les acteurs d'Harry Potter, ça c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Et Camélia va être bien meilleure que moi, je pense. Tu crois? Ouais, franchement, il y a moyen. Pour les acteurs de Harry Potter, c'est prénom, nom. Et du coup, on valide pas si on a dit juste le prénom? Bah non. Ah, mais on dit Daniel, c'est. Non. Quoi? Ok. Oh, ça arrête ces difficultés aussi. Ok. Chaud. J'ai trop peur. Ah, oh, les acteurs, ça va être chaud. Je suis prête. 3, 2, 1, go. Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Tom Felton, Bonnie Wright, Katie Leung, Evanna Lynch, merde, j'ai un trou, Michael Gambon, Rubius Agrin, merde, oh putain, oh j'ai un trou, ah, Robbie Coltrane, et putain, mais j'ai un trou, Richard Harris, Richard Griffiths, Julie Walters, et c'est chaud, Jesse Cave, je sais pas pourquoi, Sean Biggerstaff, Alfred Enoch, oh c'est chaud, je suis perdue, je sais plus,
je sais plus. Ah, Fleur de la Cour. Putain, Clémence Poésie, Robert Pattinson, Stan Janevski. Stan Janevski, je sais plus après. C'est vraiment très dur. C'est vraiment hyper dur. Tu entendais parler de loin? Ouais, mais genre je parlais pour dire rien. Je sais pas. Franchement, c'était chaud, mais je pense que Camilla, tu vas être meilleure que moi. Déjà parce que tu connais plus les noms des acteurs que moi. Moi, j'ai vraiment dit la base des bases, tu vois. Genre, j'ai même pas dit Jason Isaacs. Tu vois. Chérie, à la 1-3 quand on a mangé avant, je serais contente. Parce que 1-3 acteurs. Prête. 3, 2, 1, c'est parti. Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Evanna Lynch, Tom Felton, Hélène McCrory, Jason Isaac, Alfred Enoch, Devon Murray, Bonnie Wright, Oliver Phelps, Jen Phelps, Chris Rankin, Mark Williams, Julie Walters. Après, on va faire Robbie Coltrane, Maggie Smith, Gary Oldman, David Tulist, David Tennant, David Bradley pour Ruzard. Dawn Fresh, Katie Leung, Robert Pattinson, Clémence Poésy, John Bickerstaff, j'ai déjà dit je crois, Stan Janevski, Jimmy Wallet, oh la vache, Josh Erdman, Timothy Spall, Ralph Fiennes, oh Hero Fiennes, Tiffin, j'ai oublié, Frank Dylan, tous les Voldemort, John Hurt, Ian Hart, ah mais j'en ai plein! J'ai été si mauvaise à côté de toi. Ah ouais? Oui, enfin oui, en vrai, j'en avais encore plein. Mais en fait, je crois que moi j'ai fait une erreur, c'est que je cherchais les acteurs et j'ai pas fait genre les personnages dans ma tête. Parce que toi, je t'entendais, t'as cité tous les Weasley. Oui, et c'était une bonne chose. Moi j'ai pas fait comme ça. Genre, j'ai fait j'étais perdue. Ouais, non, moi j'étais perdue, j'ai été mauvaise. On va calculer, mais à par contre, à un moment, j'ai cherché l'acteur de Godric Gryffondor, je fais, mais non, mais on le connaît pas. On le connaît pas. Mais non, mais t'as sorti genre des Josh Herman, Jimmy Wallet et tout. Moi, Josh Herman, j'ai interviewé. Il y a une polo sur Twitter. C'est une défaite cuisante pour ma personne. Mais je m'en doutais. J'ai aucune surprise. Je savais que tu serais meilleure que moi sur cette manche. J'en ai encore plein. Mais oui. Mais moi, je peux t'en sortir, mais pas dans le stress. Non. Genre, dans le stress, là, j'ai fait 18. Et Camélia, elle a fait 30. Elle a fait 30. Un truc de 30 secondes. Je vous avoue, bravo. Je suis un peu fière de moi. Bravo. La meuf, elle a quand même dit l'actrice qui joue la grosse dame. Mais parce qu'on en a parlé il y a 2 jours, parce qu'elle est à Londres actuellement. Oui, mais tu l'as quand même dite, tu vois. Est-ce que vous saviez-vous que l'actrice qui joue la grosse dame dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, ça s'appelle Dawn Fresh? Voilà, bah moi je savais pas. Au moins, grâce à moi, ils auront appris quelque chose aujourd'hui. Bravo. Juste pour Dawn Fresh, t'as gagné cette manche déjà. Juste pour Dawn Fresh. Et aussi pour les 30 contre 18, mais bon, ça c'est un détail. Maintenant, nous allons jouer à la troisième manche. Donc il y a une manche partout. Donc tout est encore possible. Cool. Tout est encore possible. La dernière catégorie sera les objets magiques, en sachant qu'on n'a pas le droit de regarder la collection de Camélia qui est une partie derrière et une partie, grosse partie ici. Devant nous, il y a un objet, c'est sûr, on va le dire. Mais voilà. C'est l'épée de Gryffondor, voilà. C'est objet magique, hein, avec une propriété magique, c'est-à-dire qu'une cape de sorcier, c'est pas bon, hein. Ouais. Ok. 3, 2, 1, c'est parti. Le journal de Tom Gilisor. La bague des Gaunt, la coupe de Poussoufle, le diadème de Serre d'Aigle. Oh, j'ai plein de mots qui me viennent. Ok, on passe. La pierre de résurrection, la cape d'invisibilité, la baguette de Sureau, le sablier de Slughorn, le diadème de Serre d'Aigle déjà dit, la plume à papote, le rappel tout. Ah, c'est horrible, j'ai envie de regarder dans ma collection. Le jus de citrouille, pas du tout. Elle est quand même contente de toi. Le scrutoscope. Oh waouh, je panique. J'ai des mots comme mandragore qui viennent. En plus, j'ai envie de vous parler, du coup, ça fait. Voilà. Le soif, le vif d'or, le cognard. Voilà, c'était vraiment pourri, désolée. Est-ce que t'es en train de t'excuser? Ah ouais, là, c'était catastrophique. 3, 2, 1, go. Ok, la baguette magique, le déluminateur, la cape d'invisibilité,
Le vif d'or, les cognards, le soif, il n'y a pas de machin, ok. C'est dur. La coupe de pouf souffle, je vais faire tous les horcruxes parce que c'est des horcruxes. Donc le médaillon de serpentard, la bague de gaunt, j'ai un trou de ouf, l'épée qui font tort, je sais pas comment le dire. Ah, la plume d'ombrage, je suis trop nulle, je suis méga nulle. Un balai volant, je sais pas si je l'ai déjà dit. Je suis hyper nulle, je suis hyper mauvaise. Le diadème de serre d'aigle, c'est dur. Mince, je sais pas. Je blanque total. C'est dur. Un œuf d'or, qu'est-ce qu'ils ont? Un stroboscope. C'est chaud. J'ai été trop mauvaise. On n'a pas dit le miroir de Joseph. On a rien. Franchement, j'ai rien dit. J'ai été trop nulle. T'as dit les horcruxes ? Oui, mais ça, en fait, vu que j'ai pas réussi à tous les trouver, dont le médaillon de Salazar Serpentard, j'ai bugué et à partir de là, c'était fini tout. On est trop dur avec nous-mêmes dans ce jeu. En vrai, c'est grave cool de pouvoir citer autant de trucs. C'est pas faux. Mais là, franchement, le sablier de Slughorn, par exemple, je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit aussi. J'ai pas dit le retour de temps, c'est mon préféré. Wow. C'est mon préféré, je l'ai pas dit. Il y a le sec d'Hermione. Heureusement qu'on regardait pas. Hein. Il y a le sec d'Hermione. Oui, non, mais oui. La boule de cristal, enfin tout. Oh waouh. Tout. J'ai rien dit tout ça. Enfin bref, on va aller faire les comptes. On a compté et c'était vraiment très serré. On n'a pas été très fortes. Ouais, parce que c'est dur tout simplement. On n'a pas été très fortes sur cette catégorie. J'en ai deviné 13 et Camélia on a deviné 12. Alors, il y avait le cognard sur le gong. Donc j'ai envie de dire que c'est un petit peu égalité. Non, je suis d'accord de la victoire. Oh merci, waouh, vraiment merci beaucoup. On va quand même dire que t'as été meilleure parce que les acteurs tu m'as bien. J'espère qu'ils ont joué en même temps que nous parce qu'en vrai c'est trop drôle, j'avais joué en même temps que vous sur la vidéo avec Marine. Et combien vous pouvez en citer, c'est chaud. Essayez à la maison et dites-nous en une minute combien vous arrivez à en citer. Je pense que si t'es tout seul chez toi et tu te chronomètres, t'as beaucoup moins de stress que quand t'es là en train de le faire dans la caméra. Et puis t'as envie de leur parler mais en fait. Mais oui, grave, t'es là, allez, blablabla, oh, c'est dur et tout. Ouais, voilà. Enfin bref, dites-nous en commentaire du coup combien vous arrivez à faire. En tout cas, merci Cam d'être passée sur ma petite chaîne. Je vais refaire ce jeu une autre fois. On refera une revanche. Je dois déjà une revanche à Marine. Voilà. Donc je te dois une revanche. On fera les catégories de... Ouais, grave. La prochaine fois, on fera ça à 3. Et comme ça, on verra laquelle de nous 3. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Le petit pouce, la petite cloche, abonnez-vous à la chaîne, tout ça. Sur ce, moi je vous laisse. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bye. Je l'ai pas dit, oups, bye.